La pression là. Ça va, ça aurait pu être pire. Bonjour à tous, salut les bandits, salut les autres, salut tout le monde. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà, aujourd'hui on emmène Flash au contrôle technique. Donc hier vous avez vu au direct, on a vérifié tous les feux, tout fonctionne. Niveau d'huile, ça n'a pas bougé depuis la Laponie, ça je suis vraiment content. Ben voilà, on va vous emmener en vidéo durant cette journée. On va faire la route ensemble avec Charlotte, on y va tous les deux. Ensuite, contrôle technique, et puis on va essayer de tout vous faire voir. Je vais brancher une GoPro sur le pare-brise, comme ça vous allez voir comment ça se déroule un contrôle technique de poids lourd. Normalement, le contrôleur ne monte pas dans le véhicule comme les voitures. C'est moi qui fais les essais de frein, c'est moi qui fais les accélérations pour la pollution. Vous allez voir tout ça et vous avez, bah, c'est intéressant parce que mine de rien, si vous n'avez pas de polo, vous ne savez pas comment ça se passe. Et grâce à cette petite vidéo, vous allez pouvoir voir comment se passe un contrôle technique poids lourd. Voilà, donc on va bientôt se mettre en route avec ma petite femme et à deux en amoureux. Coucou. Hein, c'est cool. Ouais. Voilà, ça évitera d'avoir les enfants qui pleurent tout le temps. C'est ouais. Mieux pour un contrôle technique aussi. Ouais, ça va être moins dangereux. Ouais, voilà. Que... Puis même, on va bouger tous les deux, ça va être bien. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Bah, il voulait que je le porte. Il y a Logan. Mais je peux pas, j'ai qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il veut sa maman. Hein? Hein? Tu voulais maman? Oui. Voilà, allez, on se met en route dans une petite heure, là, puis on vous dit à tout à l'heure. Ciao. Ciao. Bah voilà, on est en route, on va s'arrêter pour manger tranquille, on est en amoureux. Hein? Ça va faire du bien. Ouais, de temps en temps, ça fait du bien de se retrouver en amoureux. Il fait beau en plus, la purée, il y a du soleil. Et voilà, et puis normalement, 13h30 rendez-vous, je sais pas combien de temps ça va durer. Et... On et verra voilà, bien. On espère que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de surprise, on ne sait pas, hein, des fois, tu sais, une petite chose avec de nouveaux contrôles techniques. Ouais. Normalement, il n'y aura pas de soucis, on sera reparti pour 2 ans, il faut partir optimiste. Voilà, c'est ça. Bon, puis il n'y a pas de raison aussi, des fois, ça peut vraiment être une bêtise, hein, il manque un ouais. Disque ou quoi. Enfin... On verra. On verra. On vous tiendra au courant. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Thank you.
poisse. On a vraiment pas de chance, sérieux, c'est abusé. On va pour mettre du gasoil. Première station, on se gare, je descends, tout, on se prépare. Et là, les automates, ils marchent pas. Super. Donc aucune carte bancaire sur aucune pompe. On va en mettre à l'autoroute à 1,60€. Du coup, ouais, on se dit on va en mettre un peu plus loin. Parce qu'il n'y avait que deux stations sur notre route. On va en mettre sur l'autoroute. Super cher, 1,60€. On arrive. Chara, t'as pas trouvé le tuyau. Une pompe spéciale poids lourd, il n'y avait pas le tuyau. Il n'y avait pas les tuyaux des deux côtés. Il n'y avait pas la pompe. C'est inimaginable. T'es sûr qu'il n'y avait pas le tuyau. De l'autre côté, il y avait le tuyau, mais il était super. C'était un truc de voiture en fait, super court cool, le truc. J'aurais pas pu tirer jusqu'au bus quoi. La merde. Du coup, bah là, on s'est dit, bah tant pis, faut qu'on y aille parce que sinon on va être en retard au contrôle. Et ouais, on a plus beaucoup de temps, il reste 20 minutes. Bah ouais, et du coup, je me dis, bah est-ce qu'on va avoir assez pour y aller quoi. On n'aime pas ça, nous, à rien tomber en réserve. Ouais, on savait clair. Qu'il y avait des stations sur la route et là, pas de bol. Mais les autres stations qu'il y a dans le coin, elles sont pas pratiques du tout en poids lourd. Bah ouais, donc on va devoir faire déjà un détour et en plus, ça va pas être pratique pour se garer quoi. Donc vraiment non, la poisse. Surrangé là, ça va. On reste. C'est bon, on est surrangé. Ouais, je pense qu'on va arriver pile poil, je sais pas. Ouais, sinon, non, mais on essaie de trouver des stations. Non, non, on ira après, tant pis. Après. Non. On prend pas le risque. Bon, bah voilà. On est arrivé. Il est quelle heure? On dirait des trucs de torture. 13h20. Ça fait trop peur de voir vite fait. Tadam. Voilà. On va y voir là, tu vas jeter un œil, chouchou. Moi j'installe la GoPro et tout. Putain, c'est toujours moi qui vais. Ouais, c'est normal, t'es ma secrétaire. Super. J'espère que je vais avoir une augmentation et tout ça. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, Charlotte, elle est rentrée. Il y a des camions qui commencent à arriver sur les côtés aussi pour faire leur contrôle technique. Et puis, moi, j'ai préparé la GoPro. Tout est bon. J'espère qu'on va pouvoir tout vous montrer ça. Nickel. Et ici, sur Angers, vous avez l'Adréal qui est juste à côté. Vous avez contrôle technique ici et l'Adréal à côté. Vous allez au contrôle technique et ensuite, vous allez à l'Adréal. Et comme là, le contrôle est à côté, bah, c'est nickel. Vous faites tout en un seul coup. De toute façon, le truc ne bouge pas. Vous amenez votre camion au contrôle technique, vous le passez. Et ensuite, le monsieur de l'Adréal, il vient puis il vérifie tout directement sur le pont, sur les fosses du contrôle technique. Ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Allez, à tout de suite. Charlotte, elle vient de m'envoyer un message. En fait, c'était 13h. On a la poêle jusqu'au bout. Hein. Mais ça va, ils sont cool. Ils vont nous le prendre quand même, apparemment. Putain, franchement, ça, c'est ballot. Ça va, on arrive en avant. Si, quelle heure? Ah, il est 26, ouais. Il y a des cars qui arrivent, tout ça. Ah, c'est bizarre. Hein. C'est là. En train de contrôler les pneus, tout ça. Tu peux contrôler les pneus. Alors là, si tu trouves un truc sur les pneus, je me fais curer. Ça veut dire abstinence, hein, Charlotte. J'aurais pas dû dire ça. Regarde, je derrière, je regarde la caméra. Il ouvre le coffre, t'as vu, c'est dingue ça. Pourquoi il ouvre le coffre? Il claque les portes en plus. Vas-y, claque les portes. Alors, un peu de détresse. Genre tu te fais. Est-ce que c'était ton pote? Alors on est dans la folie en fait. C'est pour les protéger un petit peu.
pneus, si tu trouves un truc sur les pneus. Arrête. On vient d'en avoir pour 1500 balles. On a mis ça avant d'aller en Laponie, alors il est long, je vais rien. Je vais te mener. Moi j'aime pas rouler là-dessus. Ouais, c'est pollution. Vous avez un allume-cigare qui fonctionne dedans? Je regarde. Bah normalement. Faut mettre quoi? Ah, moi j'étais en train de voir regarder s'il chauffait l'allume-cigare. Je pensais que vous vouliez allumer une cigarette. De toute façon, il marche un peu. Ah ouais, non, sinon il va, ouais. Je pensais ça, moi, en fait. Parce qu'il faut qu'il se branche dessus. Ouais, de toute façon c'est du 12. Ouais, si ça va. Voilà. C'est bon? Je fais quoi? Il reste là, lui, c'est ça? Ouais, surtout qu'il tombe pas. Je fais quoi? Je fais un... comme ça? Wow, ça fait mal au cœur ça. Ouais. C'est-à-dire que je reste à fond combien de temps? Jusqu'à ce que je dise de rien. Oh là là, j'aime pas faire ça. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Il monte à combien de tours? 3000? Non. Ouais, mais je peux pas rester à 3000 tours, c'est beaucoup, hein. Ouais, je pense qu'il faut pas que j'accélère à fond. Pas normal qu'il prenne 3000, là. Là, il a pas pris, faut qu'on recommence. Ah, ça fait mal au cœur. Ouais, ouais. C'est vrai, je suis bien en pollution. Enfin, pour son année, quoi. Allez-y à fond. On accélère, ça diminue. Ouais. Parce qu'il passe pas sinon. Si. Si, dans tous les cas, il était en dessous. Ah, d'accord. Et on pourrait retrouver ce qui polluait il y a 2 ans? Comment? On pourrait retrouver ce qui polluait il y a 2 ans, tout à l'heure? Non? Je vais passer là. Ah. Bon, peut-être. Ouais. Juste pour voir si... Parce que c'est pas noté sur le contrôle, ça, le taux de pollution. Parce que je l'ai, mon ancien contrôle, il est là. Ah, bon, on regardera ça. On regardera ça. On est large, en fait. Hein. On est bien, t'as vu ça? Oh, pollution, nickel. Là, on va faire les essais de frein. De freinage. Ça sert à quoi cet appareil? Ça, c'est pour prendre les tours moteurs? Ouais, c'est pour prendre le régime. Là, je pourrais presque installer un compte tour alors sur mon même cigare. Enfin, dans l'idée. Ouais, ça. Parce que j'en ai pas de compte tour. Il arrive à prendre le régime. Bah ouais. Putain, je monte à 3000 tours, la vache. Ouais. C'est beaucoup pour un poids lourd. Mais non, il n'y a pas de compte tour. Ah ouais? Donc là, j'avance, c'est ça? Ah d'accord. Ok, ça marche. Il prend 3000 tours, 3100 tours à fond. Ça fait mal au cœur, t'as mis. Ah, j'aime pas ça. T'as dit, ah, c'est costaud et tout, c'est fait pour. Ouais, ouais, mais bon, j'aime bien accélérer quand il est en charge, pas dans le vide. Tu vois, j'ai même pas le droit de sortir. Restez dans votre véhicule, éteindre votre téléphone portable et suivre les instructions données par le contrôleur. En poids lourd, c'est nous qui sommes dans les véhicules. Donc là, il me demande d'avancer. Putain, ça se coule à pas.
c'est ça, c'est bon. Ah, c'est mis en sécurité là-bas, le truc. Là, il est parti quoi en fait, vous voyez. Regardez. Là, je touche pas au volant. Ouais, d'accord. Pour le maintenir en ligne, quoi. Ça. Dans la fosse. Ouais, bah j'ai fait il y a 2 ans. Ouais. En fait, j'allais faire les poussements. Les tours qui vont s'afficher, il faudra rester un petit peu en dessous. Dès qu'on passe à la ligne rouge, on va bloquer. D'accord. Vas-y, je reste en dessous, c'est ça? Allez-y à fond. Voilà. Un petit dévié, mais ça va. Ouais, il y avait déjà ça, je crois, parce qu'il fallait rien. Là, c'est bon? Après, si le gars il est là en face qui te guide, normalement c'est bon. T'as vu, bah, c'est du premier coup là-bas. Là, je refais pareil? Non? Là, je freine là? Ah, d'accord. Je me mets au point mort quand même. Là, il bouge le camion, c'est bizarre ça. Ouais, c'est normal. C'est les roues? Ah, ouais. Parce que là, ça m'aurait inquiété sinon. C'est bon, j'ai relâché. Je vais relancer les rouleaux et dès que je vais le tirer, on tirera le frein de stationnement. On verra si on a le même déséquilibre comme ça. Ouais. Bon, t'as toujours un petit déséquilibre droite-gauche, de toute façon, ça. Allez-y, freine avec le pas. Là, je freine d'un coup? Ouais. Ah, lui, il est raide. Et du coup, j'ai un déséquilibre aussi avec le frein de parc. Ouais. C'est le même? Non, un petit peu moins. Ah, d'accord. Avancez un petit peu. On est bien, on a l'impression qu'on est trois droits. Bon, bah, c'est passé. Frein avant, frein arrière, c'est ok. Après, il va y avoir les plaques vibrantes là-bas pour tester les rotules et tout. Mais ça, je ne fais pas de soucis. Tout est neuf. Tout est neuf, ouais. Donc, c'est vrai que tu as toujours un petit peu la pression. Ça ne roule pas pendant 2 mois, tu dis les freins. Ouais. Là je suis bien en ligne là, c'est bon. Alors du coup de brouillard. C'est ceux-là? Non. C'est ceux-là. Ah ouais, peut-être. Enlevez-les. Ah ouais, si c'est ça. C'est bon? Ils sont jaunes avec le soleil. Ouais ouais. Et les télés? Je remets quoi? Des antibrouillards. Bah, ils sont mis là, c'est bon. Ouais. Non, c'est bon. On est en train de régler, vérifier les phares. Ça se trouve, on en a un qui est peut-être plus à droite qu'à gauche, en fait. Comme ton œil. Je crois que je suis déréglé avec les phares. J'ai fini de le tutoyer, toi, t'as cru que c'était ton je pote ou quoi? Tutoyer. Tu t'arrêtes pas depuis tout à l'heure. Ah non, je dis vous. Non, non. Mais si tu trouves quelque chose à mes pneus, là... Ah, ça va, des vadrouilleurs quand même. D'ailleurs, il nous a pas reconnus, c'est étrange. Ouais, c'est parce qu'il a pu les autocollants. La direction. Comment? Direction. Plus comme ça, c'est bien ou plus fort? C'est bien, ouais. Allez, c'est tout neuf normalement. Normalement, non, c'est tout ah, neuf. C'est tout neuf de il y a un an. Ouais, un peu. C'est bon. Barre d'accouplement et barre de direction, j'ai changé. Non, il n'y a pas de jeu, c'est bien. Avec les rotules et tout. Il n'y a pas de jeu, c'est pas une mince affaire. Hein. Il n'y a pas de jeu, il a dit. Bah, il n'y a pas de jeu. Il faut les régler après. Ouais. Bah, on a fait un parallélisme, on a été payé un parallélisme. Bah ouais, de toute façon, pas trop. Je l'ai fait comme ça la ficelle et puis pour aller après au. Je l'ai fait régler quoi. Pareil, hein.
Et puis à l'arrière, j'ai changé les cales en téflon aussi, au niveau des lames, à l'arrière des lames. Ah oui. Ouais, il y a des cales en téflon à son œuvre, c'est ce qu'il y avait du jeu là. Les brides, ouais, c'est bien. Ouais, les brides. Alors. Je suis fier de toi. Hein. C'est vrai? Parce... sur les freins. Il a dit que c'était pas mal. Putain, on dirait que c'est en train de se désarticuler. Vache. Non, mon téléphone, s'il te plaît. Ça fait peur. Lâchez les freins. En fait, celui-là, c'est celui qui s'allume en premier. Après, vous allez avoir arrière et avant. Ah oui, ouais, non, mais c'est bien, c'est ça. Parce qu'après, normalement, sinon, avant. Après, ouais, c'est là que moi, normalement, je dois voir. C'est... Bah, si vous continuez, ça va le faire. Et avant et arrière. Parce que là, je suis à 6 barres encore. Et ouais, j'en ai une qui a 8 barres. Là, vous êtes en train de vider l'arrière, je crois. Ouais, bah après, un des deux, c'est pas grave. Ah ouais, c'est vrai, c'est un des deux qu'il faut qu'il s'allume. Là, on vérifie les voyants. On vérifie les voyants. Les voyants d'air, c'est obligatoire. Que, si vous videz l'air, c'est un voyant qui s'allume en rouge. Donc j'ai mon premier voyant de frein à main qui s'est allumé. Ça, ok. Et là, il me reste la bouteille avant et la bouteille arrière. Vous allumez ou pas là? Non, mais je suis à 5 barres encore. Ah, c'est bon? Là, c'est avant que ça s'allume. C'est l'avant? Ouais, c'est l'avant. Bon, bah c'est bon. Voilà. Donc là, c'est ok. Là, c'est bon, je peux sortir. Voilà, allez hop, c'est fini, on va aller voir tout ça. C'est bon, nous avons notre sésame. Tiens, chouchou, il y a le tournevis qui est là. On a notre sésame, le véhicule est tranquille pendant 2 ans. C'est passé comme une lettre à la poste. Enfin, comme une lettre à la poste. Parce que j'étais là, en fait. C'est Charlotte qui a tout fait. Donc, on a quelques bricoles. On a beaucoup moins de bricoles qu'il y a 2 ans. Bah, normal, j'ai refait énormément de choses. Mais c'est vraiment des petites bêtises. Vous voyez les feux de brouillard qui étaient mal réglés parce que on peut pas les descendre plus, en fait. Un support moteur qui était un petit peu craquelé. Mais ça, vous savez, c'est des caoutchoucs qui sont super énormes. Et forcément, avec le temps, ils se craquaient à l'extérieur. Et c'est quasiment tout. Hein, léger déséquilibre de frein. Voilà. Et c'est tout, voilà. Donc tout le reste, c'est ok. Il a dit qu'il était vraiment en bon état. Donc, et que, ouais, il a dit 90. J'ai dit, attendez, 90, ça va, c'est pas non plus 70, quoi. Il a dit, non, mais il est vraiment, on voit bien qu'il est entretenu, il est vraiment en bon état. Il envoie de 2000, donc, encore plus pourri. Ouais, il a dit qu'il envoyait des bien plus pourris, ouais. Qui étaient bien plus récents. Quoi. Mais bon, nous, c'est notre maison, on la bichonne, on en prend soin, quoi. Ouais. Donc on est content. Ouais, c'est cool. T'as plat. Quand même. Ouais, ça veut dire que là on approche quoi. De la vente et puis ça fait drôle. Ouais, bon, on va peut-être se faire un petit road trip en Savoie une dernière fois. Peut-être. Voilà, on ira au saisie, tu crois? À faire un suivi. Il y aura de la neige, ça se trouve. Avril, il y aura encore de la neige. Ouais. Faut y aller en voiture. Faut qu'on traîne la voiture derrière, comme ça on peut se faire un petit truc là-bas. Allez, on va voir. Ouais, enfin bref. Bon, on vous laisse, voilà. On espère que cette petite vidéo vous aura montré comment se déroule un contrôle technique de poids lourd. Vous avez vu avec les plaques et tout qui bougent les roues, qui les tordent dans tous les sens. Le soleil, je sais pas ils ont si regardé partout, voir, ouais. Ils ont regardé les organes de sécurité, voilà. Ils nous ont délesté de 104€. 104€. 104€. Il y a 2 ans, c'était 96, donc c'est un petit peu augmenté. Mais voilà, c'est valable tous les 2 ans, alors que normalement, c'est tous les ans ou tous les 6 mois pour transport en commun, je crois. Oh, il a mis tout en haut l'étiquette. Ah ouais, il a pas bien mis l'étiquette. Ça fait moche. Il
Enfin bref. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, ça fait plaisir, à vous abonner, à en parler autour de vous. On vous fait des gros bisous. À bientôt les bandits pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye. Allez, gros ciao. Bisous. À plus. Ciao. À plus tard dans le car. À plus tard dans le car. Ouais.